Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ou à toutes et à tous. Donc voilà pour le 13e épisode sur Far Cry 3. Avec moi. Qui d'autre? Et on va aller parler à Monsieur Willis après avoir avoué à nos chers amis qu'on désirait rester ici après avoir trompé la pauvre petite Lisa, je crois. Je vais regarder si j'ai tout pris. On va prendre les munitions. Oh, petite remise et tout, ça déchire. Là, j'ai des trucs à vendre. C'est magnifique. J'ai quoi comme arme? J'ai tout. Ça tire au loin. C'est parfait. Donc on va aller parler à Monsieur Willis, qui est notre cher américain de souche. Non, je reste là. Sans moi, cette opération russe nous a pété à la gueule. Je rejoins la Task Force 141, on décolle ce soir. Mm-hmm. C'était bien de bosser avec vous. Merci. Oh. Avant de partir, j'ai un service à vous demander. Aidez-moi à éliminer Hoyt. Difficile. Autant essayer de trouver une nonne dans un bordel. Ceci dit, vous pouvez toujours essayer. J'avais infiltré un agent, il est encore en vie. Enfin, je crois. Vous pouvez m'aider à y aller? Survol l'île de Hoyt en rentrant vers la Russie, je peux vous déposer. Je vous envoie les coordonnées. Parfait. J'y serai. L'avion décolle dans quelques minutes. Avec ou sans vous? Ok. Moi, j'aurais dit comme une pucelle dans une maison close. Et c'est presque pareil. Cap au sud. Allez à la pièce d'atterrissage. J'ai 5 minutes pour y aller. C'est derrière nous. On va essayer d'y aller rapidement. Hein, puisque c'est le but. On va essayer d'y aller rapidement sans se retrouver... sur le toit ou autre. Parce qu'il peut y avoir plein de situations où on peut se retrouver qui n'est pas forcément bon pour nous. Ouais, si, je pense que c'est dans la bonne direction là. Je le sens bien, tranquille. Ouais, c'est ça, je suis à 700 mètres là. Alors, avec un peu de chance, on rencontrera peut-être personne. Ce serait cool. Bon, je tirerai tout droit. 4 minutes, wow, je vais être largement dans les temps, je pense. J'espère que c'est pas en haut, parce que j'ai un peu la flemme de grimper. Alors, mon avis ici, bon, bah, on va essayer de couper là, mais avec la chance que j'aurai, la voiture va s'arrêter. Elle va glisser en arrière. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, c'est parfait. Pour une fois que tout fonctionne comme sur des roulettes. Bon, là, c'est des roues, mais c'est presque pareil. Ah, je suis content là. Oh là là, on a fait ça parfaitement. Ah, le compte à rebours s'est arrêté. Jason, c'est à l'amont ici. Les pirates m'ont encerclé, venez vite. Ok. On va le défendre. Ouais, bah pas assez visiblement. Il a sa vie, faut que je me débrouille assez rapidement pour les tuer tous. Vite fait. Ça commence bien. Très bien, j'ai envie de dire. Il y en a qui arrivent de derrière. Ok, je vais mourir. Allez. Oui, je suis pas très optimiste, je vous l'avoue, mais... Bon, lui, il a toujours sa vie. Ils sont toujours sur lui. Je sais même pas où est-ce qu'il se trouve. Ok, il est là. Je vais le rejoindre. Je peux utiliser ça? Ah, mais c'est pour ce sens-là, en fait. Ouais, c'est ça, c'est nul. C'est nul! Ah, meurs, toi. Oui, c'est biquette. Ok. Là, je vais me servir de ça. Ça va chier. C'est moi qui vous le dis. Réparer... Plus de vie qui me reste. Réparer. Reprendre plus de vie qui me reste. Là, je les entends gueuler. Ouais, non, mon gars, t'es vite, s'il te plaît. Y'en a d'autres qui approchent, on dirait. Ouvre-moi. Ok, merci. Faut que je fasse gaffe parce qu'elle chauffe la mitrailleuse.
pas nécessairement bon. Ah non, même pas, ok, la réparation, d'accord. C'est la... Je croyais que c'était sa barre de vie et qu'il avait pris cher, mais en fait, non. Il faut que la réparation... Alors, je suppose qu'il faut que la réparation atteigne son niveau maximum. Son niveau maximal, plutôt. Ah oui, ok. Ah, mais là, j'ai pas trop de possibilités avec la mitrailleuse. Ok, j'ai rien fait du tout. Je prends le risque. Dépêche-toi. En pleine tête, visiblement. Je me suis pas trop mal débrouillé. Je leur pique des munitions. Là encore ou quoi? Où êtes-vous? Mais où êtes-vous? C'est étonnant qu'avec ça, il n'y a pas de véhicule qui se ramène. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Ça y est presque, mais en attendant tu prends cher toi. Non, c'est pas moi. Hop. Juste pour le plaisir. Est-ce qu'il y a moyen de changer? Non, c'est pas ça. C'est pas cette touche là. C'est ça. Moi je veux... Ah mais en fait je sais même pas comment... changer de... de flèche. Normalement j'ai des flèches explosives, etc, etc. Protéger Willis. Il reste plus beaucoup. Allez, dépêche. Allez là, autant l'utiliser, hein. J'ai envie de dire, en plus munitions infinies, qu'est-ce que je vais me plaindre. Ah, on y va, t'es sûr? T'es sûr qu'on y va? Parce que là je suis en train de mourir. Ouais, tuer les pirates restants, c'est ça. Soigner. Bon, lui, apparemment, il a pas de vie, donc il peut entre guillemets mourir, c'est pas très grave. Ça, c'est fait. Ah, normalement, ça ne touche pas. Ouais, je suis un peu fou, moi. Soigne-toi, vite, 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 vite. Allez, soigne-toi, je t'ai dit. Je crois que je vais utiliser la... l'arc, parce que tout à l'heure, ça avait bien fonctionné. Ah non! Ah, et puis j'aurais pu faire ça depuis le début, en fait. J'ai tout gâché. C'est là où on remarque que je suis vraiment idiot, quoi, parce que là, j'aurais pu me faire plaisir à l'aise, quoi. Tuer le pirate restant. Ouais, bon, je vais pas faire le malin. Déjà ? Non, il est pas sérieux. Tout à l'heure, il a résisté contre toutes les assauts de chaque gars, et là, à peine ils arrivent, il meurt déjà, quoi. Bon. Si tu le dis, hein, c'est que ça doit être vrai.
et essayer de prendre de vitesse. J'ai plus de vie. Ah, je me fais attaquer de tous les côtés là. En plus, il a pas de barre de vie. Ah, je vais essayer de gérer tout le monde en même temps. Ouais, non. Non. Soigne-toi vite. Allez là, mais dépêche-toi à sortir ton arme. Moi, c'est même pas ça que je veux comme arme. Je ferais peut-être mieux de viser finalement. Ah, bonjour. C'est le dernier ou quoi? Ouais, bah j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, c'était le dernier. Heureusement, parce que je serais mort sinon. Finalement, heureusement que c'était le dernier, parce que je l'aurais eu dans les fesses bien profond. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Je suppose que oui, je suppose que non. Allez-y, Coco. Jason. Montez. Vous allez en Russie avec ce coucou? Vous voulez rire? Change d'avion à Singapour. Vous saviez qu'il est illégal de mâcher ou d'acheter du chewing-gum à Singapour? C'est pourtant l'ADN de l'Amérique, le chewing-gum. C'est carrément comme une déclaration de guerre à l'oncle Sam. Merci. Petit bug graphique, là. Montez. Montez, je vous dis. Je monte, je t'ai dit. Oh, calme-toi, là. Oh, oh. On graine pas, hein. Oh, oui, avant que j'oublie. Mon ami Sam est implanté chez Hoyt et ses hommes, à Thurston. Si vous sifflez l'hymne américain en traînant au Crazy Cock Bar, il saura que je vous envoie. Oh, si, can you see? J'ai donné ma vie entière à l'agence. J'ai fait mon lot de magouilles, mais ça va me rapporter gros. Eh oui! Je vais bientôt sortir de ce trou! Pas déjà, ça va mal. Vendez ce que vous trouvez sur vos ennemis, mais gardez ce que vous récupérez sur les animaux et les plantes pour l'artisanat. Non, je ne lirai pas. J'ai décidé que je ne lirai pas. Oh, Caterpillar, c'est mignon. Et je ne vous traduirai pas non plus parce que je suis mauvais en anglais. Mais ça, je l'ai déjà dit. Oui, je me répète, c'est pour combler les trous, pour éviter que vous ayez trop de silence. Ouais, je suis intelligent un petit peu quand même. Enfin, un petit peu. Un zeste. C'est pas cool. Vous êtes méchant. Vous êtes en train de rire de moi. Ou pas. Vous êtes déjà en train de dire qu'il est con, c'est ça? D'accord, d'accord. Bon, qu'est-ce qui se passe? Le jeu aurait-il... freeze? Ça met son temps, mais... Ça va revenir? Ouais, je vois le petit flingue à droite, là, qui a bugué un petit peu, là. Y a plus de son non plus. Allez, on y croit. On a raison de... C'est là que je vous drop! Il vous reste qu'à vous envoler! Vous êtes sûr qu'il fonctionne, ce wingsuit? Non, non, petit! Bras et jambes tendues, et ça ira tout seul! Bonne chance pour la Russie! Je m'en souvenais pas. Un patriote reste un patriote! Ha ha! Oh bon bah, hein, au final on l'utilise vraiment. Mage pour déployer la home suite. Oh! Ah ouais, c'est tout? C'est pour déployer le parachute. Hey. Ouais, sinon je m'écrase comme jamais, quoi. Il faudra tester ça en plus en détail, quoi. Parce que là, c'est vraiment du vite fait. On va pas voler beaucoup. Si ce
Sam existe vraiment. Je voyais des gars au loin là. Un autre là. Ouais, en plus c'est tous des snipers. Moi comme par hasard, je n'ai aucun sniper. Alors, je voulais voir. Comment je fais? Comment je fais ça? Non, c'est pas là. C'est pas là. Là, en fait, j'ai un petit souci. Ah, c'est peut-être là. Non, rien du tout. Une petite pierre. En fait, j'ai un petit souci sur, sur comment choisir les flèches, en fait. Tout simplement. Je ne sais point sur quelle touche appuyer. Que c'est malheureux. Puis je rappuie sur les mêmes touches à chaque fois aussi. Forcément, hein. Ouais, non, ça c'est la carte. Bon, vous savez quoi, je vais aller directement dans les options. Oui, ce sera plus simple. Hein, commande. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les contrôles? Oui. Lancer une grenade, jeter une pierre. Corps à corps, en principal, troisième arme, C4, mine. Utilise objet A, utilise objet B, sélectionner grenade. Dernière arme, sélectionner molotov. Arme suivante. En fait, je suis très, très, très avancé. Arme principale, secondaire, troisième arme, quatrième arme, C4, mine, utilise objet A, E. On va essayer, écoutez, hein. Le E. Ça a rien fait du tout. Si je reste appuyé là-dessus, est-ce que ça fait quelque chose? Non, ouais, c'est... En fait, je l'ai dans les fesses, quoi. Clairement, purement, simplement. Ah, peut-être là? Non. Non. Non plus. Non. Bon, bah... Voilà quoi, j'ai des je dois avoir des flèches explosives et tout, mais au final, elles me servent à rien, donc bon, tant pis. Je dois piquer leur camion. Quel beau tir, pardon. Ah, le petit, ah, il va prendre cher, le tigre. Trop. C'est le dernier en plus. Ah, tu m'as pas vu, cherche pas. Ah non, il en reste encore. Magnifique. Formidable. On va récupérer des flèches quand même. Avoir une flèche ici, voilà, je suis à 8 flèches, c'est déjà pas mal. On va prendre le camion, on va se tailler direct, hein, on va pas chercher midi à 14h comme dirait l'autre, hein. Et on avance. Une tour d'observation pas très loin. Je pense que j'attendrai le prochain pour la faire. On verra comment ça se passe. Voyons voir. Ils disent rien, à l'aise. Au Crazy Cock Bar. C'est ça. C'était ici que le mec. Dieu, le Crazy Cock existe. Ah ouais. Allez, on y va. Salut. Salut. Bière? Ouais. Je cherche un ami. Un type qui s'appelle Sam. Je connais qu'un seul Sam. Il y a souvent des parties de poker dans l'arrière-salle, entre les hommes de Hoyt. Vous feriez peut-être bien de vous y faire inviter.
voir ça, ma gueule. C'est par où? Où est-ce que tu vas? Jouer au poker, ça pose un problème? Tu perds ton temps si tu peux pas payer ta place. Ça ira? C'est bon, allez, entre. Coup de pression, qu'est-ce qui se passe? L'argent achète tout, ma gueule. Ah ouais, ou presque. C'est celui à gauche, là, c'est lui, là. Vilcommen à la table, le nouveau. Assieds-toi. Ah, je vais vraiment jouer en plus. C'est cool. Je vais montrer que je suis trop bon au poker. Enfin. Suivi. 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 Je suis en train de m'afficher. Clairement, purement, simplement. On va faire les trucs au hasard. On verra bien si ça marche. Je vais relancer. Pas avec cette main. Ah merde. Je suis. Du bluff. Ah, il est OP lui. Il est OP, il est OP, il est OP. Ouais. Je vais checker. J'étais roi. Ouais, j'ai un brelan apparemment. 100% brelan. C'est pas forcément le meilleur. Vas-y, je suis un ouf. Allez, je mise, moi, je m'en balance. Allez, je t'en mets 20 dans ta tête. Je relance de 25. Relance. Allez, couche-toi. Couche-toi, je t'ai dit. Carte de merde. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je vous mets un brelan dans vos fesses. Parfait. Début d'une nouvelle main, qu'est-ce qu'il y a? Un as et deux cœurs. Apparemment, j'ai carte haute pour l'instant. J'aurai rien du tout. Bon, cette partie m'emmerde. Terminé pour ce soir. Quoi, déjà? Tu veux que je continue à jouer, Carl? On devrait monter les enjeux, alors? Non, non, Sam. Je disais ça comme ça. Good. T'es stress, ma gueule. Toi et moi, on est poteaux, t'as vu? Maintenant. Désormais. Moi ouais, aussi, j'arrête. On ne rembourse pas. Oh, tu stresses. Calme-toi, là. Coup de pression, moi, direct. Crois pas, hein. Crois pas que je suis gentil, hein. Ah, ok, d'accord, ils ont fait paf, disparition. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis par là? Non, non, c'est par là que je dois aller. Est-ce que tu travailles? Willis, m'envoie. Et comment il va? Je me fais un sang d'encre pour ce type. Il y a des années que j'ai aucune nouvelle. Il va bien, enfin, je crois. Lors, Lors. Putain, mais ils sont vraiment rapides. C'est parti. Ah ouais, c'est carrément ça. Trouvez Sam et parlez-lui de Hoyt. Bon, apparemment, je vais pas le trouver super loin, mais... Point de compétence gagné, allez, c'est parti. Ah ouais, c'est bien ça, plus d'argent. Recharger les pistolets, mitraillettes et fusils à pompe 25% plus rapidement. Ouais, c'est une idée. C'est ça que c'est. Charger et tirer vos flèches 50% plus rapidement. Ouais,
temps, voir c'est pas autre chose. Tirer avec des armes de poing tout en utilisant des tyroliennes, ouais. Double équilibre, ça je l'ai déjà. Tir à la hanche, précision de tir à la hanche est accrue pour les pistolets, les mitraillettes et les fusils à pompe. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà, comme ça je suis meilleur. Voilà. Alors continuons. Huit nouvelles armes disponibles. Ah bah. Mais ici, il n'y a que des criminels. Ils se rendent pas compte. Cette racaille gobe n'importe quoi. Tout le monde croit que je suis un dur juste parce que je viens d'Allemagne. J'ai même eu une promotion à cause de mon accent. Assieds-toi. Pas mal. Alors, quelle est la mission? Je dois tuer Hoyt. Scheiße. Mais attends. Tu es ce Jason Brody, hein? Oh. C'est toi qui as tué Vass. Ouais. Mais t'aurais dû le dire plus tôt. Il faut qu'on te planque. Hoyt, il fera tout pour réussir à te coincer. Ça va être compliqué. Tu es foutu les boules, hein? Le problème, c'est que tu es victime de ton succès, hein? Les autochtones se rebellent contre Hoyt, alors il a augmenté la sécurité. On doit saboter toute son organisation, sinon le tuer ne servira à rien. Ouais. Cela dit, Hoyt ne sait pas à quoi tu ressembles. Il n'a entendu parler que de ça. Il m'a vu, il fut un temps. À quoi tu penses? Oh, de rien. Ouais. Oui, c'est ça. Dis-moi. Tu dois te faire engager dans sa milice. Ah, non, ouais. Ne dis rien, écoute-moi. Nous allons opérer ensemble tous les deux. Il va falloir que tu t'infiltres. Ok. Mais pour commencer, c'est l'habit qui fera le moine. Je m'appelle Solid Snake. On va voler un uniforme. Je sais que les nouvelles recrues sont prises en charge sur les quais pour leur incorporation. Vas-y, dis-moi. Tu vas en trouver une, prendre son uniforme et tous ses effets personnels. Où ça? Et tu te débarrasses du corps. Oui, où quand ça? C'est fait, tu me contactes sur cette fréquence. Ok. Les gars, c'est vrai que ça fut court, mais je vais arrêter cet épisode là. Allô? Jason, tu as réussi à atteindre l'île de Hoyt? Ouais. Tu te rapproches du bout de la voie. Ouais. Citra est convaincu que tu vas devenir le guerrier le plus puissant de la tribu. Le tatouage sera complet. Oh oui. Si tu survis. T'en fais pas pour moi. Je le savais, Jason. Pour atteindre le centre du monde, tu dois tout oublier de ta vie passée. Seul Citra et la voix doivent compter. Je sais ce que je fais. Bonne chance. Ok. Donc, avant que ce monsieur que j'ai envie de défoncer tout de suite, là, que j'ai tout trouve, je l'arrache, me coupe la parole, je disais donc que je vais arrêter cet épisode maintenant. Je sais que c'est un peu court. Un peu plus court que ce que moi-même je décide de faire. Mais disons que là, ça va être des missions assez intéressantes et qui vont, je pense, si je me rappelle bien, s'enchaîner. Et donc, je prévois de faire ces missions-là pour le prochain épisode. Donc, on va se quitter maintenant. Et on se donne rendez-vous pour l'épisode 14. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir, une bonne après-midi si vous regardez cette vidéo l'après-midi, et je vous dis à la prochaine. Ciao !